pense que je ne vous apprends rien lorsque je dis qu'il y a peu d'auteurs dans la littérature française qui sont autant entourés de mystère et de prestige que Marcel Proust, l'auteur de À la recherche du temps perdu. Quand j'étais enfant, j'entendais assez souvent parler de phrases à la Proust, c'est-à-dire de très longues phrases interminables qui étaient difficiles à lire et qui révélaient également une certaine prouesse syntaxique et grammaticale. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai toujours vu Proust comme un peu à part des autres auteurs classiques, peut-être parce que je ne l'ai pas étudié à l'école personnellement, peut-être justement à cause de son style qui pouvait impressionner, mais je ne me suis jamais familiarisée avec Proust de la façon dont j'ai rapidement pu lire des œuvres de Flaubert, de Zola, etc. Du coup, Proust a toujours été pour moi un petit peu intimidant et je n'avais jamais pensé que j'allais le lire prochainement, tout particulièrement son chef-d'œuvre À la recherche du temps perdu. Puis 2020 est arrivé, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé mon compte Bookstagram. Comme beaucoup de personnes, ma vie sociale s'est beaucoup amenuisée, j'ai eu un peu plus de temps libre et finalement au mois de mai je me suis dit finalement Proust, pourquoi pas. Alors au début je l'ai un petit peu pris comme une découverte, comme même un défi. Je m'étais dit que très probablement, ayant déjà essayé un petit peu de lire la recherche avant, je n'allais pas accrocher, que j'allais rencontrer de nombreux problèmes de lecture. J'avais également beaucoup d'appréhension. Et puis finalement, je l'ai lu en à peu près 6 mois, puisque je l'ai commencé fin juin, je l'ai terminé fin décembre. J'ai lu d'autres œuvres également entre temps, je ne me suis pas complètement dédiée à Proust, mais j'ai fini la recherche. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été agréablement surprise que malgré toutes mes appréhensions, j'ai découvert en Proust un auteur relativement accessible, un auteur au style très moderne, une œuvre tout à fait intéressante, tout à fait pertinente, qui a beaucoup résonné en moi. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu envie de faire cette vidéo, pour vous donner quelques conseils de lecture qui reflètent ma propre expérience, donc des choses assez subjectives et personnelles finalement, mais pour donner à d'autres personnes l'envie de se lancer dans la lecture de La recherche du temps perdu et de désacraliser un petit peu cet auteur et cette œuvre. Sans aucune prétention, je pense réellement que la lecture de la recherche a changé ma vie d'une certaine façon, a surtout changé la façon dont j'aborde la littérature, dont je conçois la création littéraire, et je ne voudrais pas que certaines personnes ne se sentent pas légitimes à lire Proust, ne se sentent pas capables de relever cette aventure et au moins d'essayer de lire À la recherche du temps perdu. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas une spécialiste de Proust. J'ai fait des études littéraires, mais je ne me suis jamais consacrée à Proust dans un cadre universitaire. Je pense que c'est important de le préciser. Je ne prétends en aucun cas avoir la science infuse, être une experte proustienne qui sait faire des analyses très profondes de la recherche. Je l'ai moi-même terminée il y a à peine un mois, mais j'aimerais vraiment pouvoir un petit peu contribuer au but pour moi de Bookstagram et de Booktube, c'est-à-dire à désacraliser les monuments littéraires, à encourager d'autres personnes à se lancer dans la lecture, quels que soient vos domaines d'expertise, qu'ils soient littéraires ou non. Donc voici 6 conseils pour lire et découvrir La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Cela peut paraître un petit peu comme une évidence, mais étant donné que La recherche du temps perdu peut tout à fait être considérée comme un seul et unique roman, vous avez plusieurs choix d'éditions, également des éditions en un seul et unique volume. Donc vous pouvez tout à fait vous le procurer de cette façon, comme vous le voyez ici, très épais et qui très honnêtement ressemble un petit peu à un dictionnaire. Mais je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, de vous procurer une édition poche divisée en 7 volumes. J'ai moi-même avancé avec les éditions Folio classiques, alors je ne suis pas une très très grande fan des couvertures pour être honnête, mais l'important c'est que le texte soit le même. Très honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de lire le livre de cette façon, je trouve que c'est moins intimidant, je trouve que ça permet mieux de diviser la lecture d'une certaine façon. Je pense que l'on ressent moins la pression de lire tout d'un coup. Je pense également que c'est beaucoup plus facile de prendre le livre avec vous dans les transports. Une des raisons pour lesquelles la recherche peut être un petit peu intimidante, c'est que avec le nombre de pages qu'elle a, bien évidemment qu'elle développe un univers à part entière. Elle a quasiment un petit côté encyclopédique de cette façon, puisque à partir du narrateur, qui est un narrateur anonyme, en quelque sorte, on pourrait dire un Proust mal déguisé,
nous allons être introduits à plein de personnages différents, à différents lieux, à différents codes sociaux. Bref, on va vraiment rentrer dans un tout très global. Le narrateur va nous parler de ses souvenirs, en commençant par son enfance à Combray dans le premier volume, pour arriver dans les grands salons parisiens qu'il convoite tellement, en passant par le bord de mer, Balbec et les fameuses jeunes filles en fleurs. Et de ce fait, non seulement il y a plusieurs endroits géographiques qui ont chacun leur aspiration et leur signification, mais il y a aussi de très nombreux personnages. Alors on commence doucement dans le premier volume avec la mère et la grand-mère du narrateur, Françoise, sa très fidèle domestique, Charles Swann, puis le duc et la duchesse de Guermantes, Saint-Loup, les Verdurins, Albertine et plein de personnalités qui viennent s'ajouter petit à petit pour créer toute cette constellation. Donc ce que je veux dire par ce conseil, c'est tout d'abord de ne pas prendre peur puisque vraiment les personnages vont revenir, les relations avec le narrateur vont évoluer et d'ailleurs c'est très important puisque le narrateur parle notamment de sa relation avec la duchesse de Guermantes pendant une grande partie de l'œuvre par exemple. Et cette entrée dans l'univers se fait relativement progressivement. Cependant, ce que j'ai fait et ce que je vous encourage à faire, surtout moi qui ai vraiment une mémoire un petit peu de poisson rouge, c'est de ne pas hésiter à tenir un carnet de personnages, à noter les relations familiales notamment puisqu'il y a plein de cousins, de tantes, de noter tout ça dans un carnet ou d'en trouver tout simplement sur internet. Le site Proust Personnages offre une très belle sélection. Il faut juste faire attention à bien évidemment ne pas se faire spoiler et trop lire sur la biographie d'un personnage, mais ça va vraiment vous aider à déchiffrer les relations de ces différents personnages avec le narrateur, à comprendre leur psychologie, leur construction, et pourquoi pas, si vous faites des recherches un petit peu plus approfondies, à voir quel personnage réel a inspiré un personnage à la recherche du temps perdu, puisque Proust, le narrateur étant Proust, ils sont les deux la même personne, parle bien évidemment de ses vraies expériences de vie, et c'est très intéressant de voir comment l'univers de Proust est recréé de sa propre façon, qui est bien évidemment totalement subjective et biaisée, mais est tout de même recréé dans la recherche. La recherche a également un très grand intérêt géographique, on découvre vraiment, comme je l'ai dit auparavant, plusieurs lieux. Venise, il y a des scènes magnifiques à Venise qui est une ville qui a beaucoup influencé l'œuvre de Proust. Je dirais que personnellement c'est vraiment pour moi la création des personnages que j'ai trouvé absolument brillante et très très intéressante. On y voit les liens sociaux, l'ascension sociale du narrateur qui a finalement ce snobisme un petit peu rêveur, qui a aussi une tendance à idéaliser ses idoles, et bien évidemment lorsqu'on idéalise les gens un peu trop, on est forcément déçu lorsque on va se lier avec eux. Mais pour moi, ça m'a beaucoup touchée, surtout que je trouve que la plume de Proust est très psychologique, qu'on a vraiment une création très fine, notamment la façon dont les personnages féminins sont recréés pour un livre écrit par un homme est tout à fait remarquable. Donc je vous conseille quand même de vous familiariser petit à petit avec cet univers, de tenir des noms pour pouvoir profiter un maximum de cette création littéraire. Le conseil suivant, c'est de lire par fragments. Étant donné que le style de Proust peut être intimidant, avec une syntaxe parfois très complexe, de nombreuses phrases très longues, un certain jeu avec la grammaire qui est fait, et de nombreux sous-entendus qui servent à révéler un monologue intérieur très riche, je vous conseille vraiment d'essayer de lire Proust par fragments si vous avez des difficultés dans votre lecture. On peut effectivement se retrouver face à des paragraphes très impressionnants, avoir l'impression d'être un peu perdu, d'avoir raté quelque chose. Je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à prendre le temps sur chaque paragraphe, voire semi-paragraphe, voire même des phrases, puisque un paragraphe d'une taille assez conséquente peut être composée d'une seule et unique phrase. Et si vous vous sentez un peu hésitant par rapport à votre lecture, par rapport à votre analyse, si vous avez l'impression de rater certaines choses, de ne pas hésiter à le relire et à analyser la structure de cette partie qui vous pose problème. Donc ne vous démotivez pas si vous comprenez pas tout de suite, si vous avez l'impression que certains sous-entendus vous passent un petit peu au-dessus de la tête, ou si vous avez l'impression d'être perdu dans une phrase, reprenez votre lecture, regardez la structure attentivement et ça va vous faciliter grandement la lecture. Et oui, d'une certaine manière, je pense que la lecture de Proust, alors peut-être c'est moi qui ne suis pas assez littéraire, assez pointue sur ça, mais je pense que la lecture de Proust prend du temps, elle demande une grande part d'attention du lecteur. Il n'y a aucune obligation à lire un volume le plus rapidement possible, il n'y a aucune obligation à lire tout en un mois, en 6 mois, en une année, mais vraiment prenez votre temps,
regardez attentivement la structure et peut-être que votre rythme de lecture habituel sera un petit peu chamboulé, mais je pense réellement que le style de Proust demande et bénéficie d'une certaine attention, et cette attention forcément demande du temps et de l'énergie. Mon constat final est que finalement Proust est certes complexe, mais il n'est pas compliqué, c'est-à-dire que lorsque l'on s'habitue justement non seulement à cet univers mais également à la structure très particulière, lorsque l'on s'habitue à reprendre certaines choses, à faire attention typiquement aux virgules pour une phrase très longue, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière tout ça mais qui attendent finalement d'être découvertes et qui ne sont absolument pas hors de portée des lecteurs. Il ne faut pas avoir peur de cette structure, il faut par contre prendre le temps de la lire et de l'analyser à sa juste valeur. Autre conseil, un petit peu un rapport avec celui dont je viens de parler, c'est de ne pas hésiter de lire Proust à voix haute. Donc ça peut sembler très bizarre au début, et effectivement je ne fais ça avec aucun autre auteur, sauf erreur, mais puisqu'il s'agit en grande partie d'un monologue intérieur, il y a plusieurs choses liées notamment à la tonalité, à l'humour ou au rythme que l'on remarque plus facilement en lisant Proust à voix haute. Alors je ne vous conseille pas de lire toute la recherche à voix haute, bien évidemment cela prendrait beaucoup trop de temps, mais encore une fois justement si une phrase vous perturbe, si vous avez l'impression de l'avoir relue et si vous êtes dans des circonstances qui le permettent, donc peut-être pas dans le bus à 8h du matin, mais reprenez cette phrase, lisez-la à voix haute, regardez quelle tonalité peut avoir le narrateur dans ce contexte, puisque Proust peut faire part d'un humour très remarquable, je trouve. La recherche m'a fait rire à de nombreux moments et cela va bien évidemment vous permettre de profiter de l'aspect poétique du style de la recherche. Autre alternative excellente, depuis à peu près un mois, la Comédie Française sur leur chaîne YouTube propose des lectures de Proust, donc lues par des acteurs professionnels. Je crois qu'ils en sont, sauf erreur, à la 44e lecture, ils en postent tous les jours. Et c'est vraiment excellent, c'est très intéressant de voir aussi que des acteurs professionnels butent un petit peu parfois sur la structure de Proust, sur le style de Proust, puisqu'on a des phrases qui demandent de l'attention tout simplement, donc il y a ce côté très naturel qui est appréciable, qui montre que lorsque l'on se retrouve face à une certaine complexité, il n'y a absolument aucun mal à prendre son temps, à relire certaines choses. Mais je trouve que cela nous permet vraiment de mieux saisir la tonalité de certains passages, qu'ils soient tragiques, nostalgiques ou justement qu'ils soient drôles, et de profiter un maximum de la beauté de la langue de Proust, puisque encore une fois, le style de la recherche, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment ce jeu sur les mots qui est parfaitement encadré par cette structure si particulière et tout ce flux de conscience qui font que vraiment c'est un auteur qui se porte très bien à une diction. Alors quand je dis connecter Proust à soi, cela peut paraître un peu égocentrique comme conseil, mais ce que je veux dire par là, c'est de voir comment la vision du monde du narrateur, sa sensibilité, sa manière de rapporter ses souvenirs d'enfance à son présent, appréhender sa rêverie, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à ramener vers soi. Je pense qu'une grande partie de la beauté de la recherche du temps perdu tient à cette connexion entre l'intime et l'universel. Le narrateur parle de choses extrêmement personnelles, il parle littéralement de ses angoisses les plus profondes, de ses rêves les plus hauts, il se met à nu véritablement dans l'écriture de ce roman. Et ça, cet aspect extrêmement personnel mais qui parle à énormément de personnes, et je pense que ça explique en partie la longévité de la recherche, c'est que cet homme qui a été mal adapté pour une grande partie de sa vie, qui n'a pas réussi à se conformer aux codes sociaux, à répondre aux attentes de sa famille, qui était homosexualité et qui en souffrait terriblement, qui voyait ça comme une punition divine, qui avait également une santé fragile, je pense personnellement une certaine forme d'hypersensibilité, a réussi à créer cette œuvre absolument splendide, a réussi à faire de sa souffrance, de ses croix, de son mal-être, une œuvre tout simplement époustouflante et qui résonne encore avec beaucoup de monde aujourd'hui. Ce qui est au cœur de la recherche, c'est de profiter des petits moments de la vie, de réfléchir aux différentes émotions que les choses moindres peuvent nous invoquer. Typiquement la scène de la Madeleine qui est bien évidemment au tout début de la recherche et qui est bien évidemment une des scènes les plus connues de cette œuvre, mais de voir comment quelque chose de si trivial a priori, de si petit,
peut nous ramener vers le grand, peut nous ramener vers toutes sortes d'émotions, peut nous invoquer plein de choses très différentes et très profondes, et de voir cette réflexion que le narrateur développe vis-à-vis de ses propres sentiments au fil de la recherche. Je pense, et peut-être que j'exagère, peut-être que j'en fais un peu trop, mais qu'il y a presque un aspect spirituel dans la recherche sur lequel je n'arrive pas réellement à mettre mon doigt. Mais il y a vraiment quelque chose de très touchant dans le fait de ramener le petit au grand, à l'universel, à la mémoire, et de vouloir, ce n'est pas rien puisque le mot temps est dans le titre de la recherche, mais de vouloir résister au temps, et c'est bien évidemment un but totalement impossible, mais de conserver ses souvenirs, de réfléchir à sa propre mémoire, de se rappeler, se souvenir. C'est plein de mécanismes que l'on possède pour résister un petit peu au temps qui passe et forcément à la mort vers laquelle il nous amène. Et la leçon de Proust, qui est aussi le titre d'excellente interview d'auteur qui parle justement de Proust à cœur ouvert, réalisée par la télévision française au début des années 60, mais la leçon de Proust, c'est de nommer ses moments, ses émotions, de réfléchir à sa propre introspection, de mettre le doigt sur le lien entre ces moments et toutes les mémoires qui nous construisent. Vous voulez, c'est comme si après une longue marche, vous asseyez sur un banc, vous laissiez le soleil toucher votre peau, vous buviez un peu d'eau et vous vous exclamiez « Ah, on est bien là !» Proust, il arrive vraiment bien à cerner ces moments qui sont si particuliers, qui sont... vraiment inconstant, qui dure généralement moins d'une seconde, mais Proust réussit réellement à les décrire à décrire ce qui peut être pour une grande partie d'entre nous complètement indescriptible, à mettre le doigt sur ces instants et à démontrer tous les idéaux qu'il nous invoque, tous les souvenirs vers lesquels il nous ramène. Et c'est pour ça que pour de nombreux Proustiens, Proust a changé leur vie, tout simplement parce que il a aidé à formuler un rapport très particulier à sa propre mémoire, une façon de réfléchir au temps qui passe, au temps qui est passé, aux choses qui étaient, qui ne sont plus, aux choses qui vont venir. Et tous ces moments, même si l'on a une vie complètement différente de celle du narrateur, je suis dans un milieu bien évidemment complètement différent de celui de Proust, mais toutes ces réflexions qui nous ramènent vers notre vie intérieure, cela crée forcément un lien très fort entre le lecteur et le narrateur. Conseil qui est finalement plus un constat qu'un véritable conseil, mais c'est de ne pas trop s'inquiéter si l'on a l'impression de passer à côté de certaines choses ou de ne pas saisir complètement le sens de la recherche du temps perdu, puisque à mon avis c'est une lecture qui ne se termine réellement jamais. Alors je ne suis pas en train de dire que Proust dépasse complètement certes d'autres auteurs, que c'est un absolu de la littérature, que c'est le meilleur auteur de tous les temps. Je pense juste que la recherche du temps perdu a cet aspect quasiment, je l'ai dit, spirituel, philosophique, très particulier, qui font que c'est un texte qui peut avoir énormément de lectures multiples. Et je pense que la façon dont on aborde Proust n'est pas du tout la même selon notre âge, puisque cela se rapporte beaucoup à la mémoire, n'est pas du tout la même selon nos expériences, selon la manière dont on se rapporte nous-mêmes à la mémoire. Et c'est en partie ce qui explique encore une fois sa longévité et également le fait que Proust est lu partout dans le monde. J'en discutais l'autre jour sur Instagram, mais j'ai vraiment cette impression que le narrateur de la recherche a un petit côté adolescent éternel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais réellement terminé son évolution, il n'a jamais fini de grandir, d'apprendre, il n'arrive pas à s'intégrer complètement dans la société, j'ai envie de dire des adultes, mais il n'arrive pas réellement à appréhender certains codes sociaux, il est encore beaucoup dans la rêverie, il est beaucoup dans l'imaginaire, mais il a surtout, encore une fois, jamais fini d'apprendre, de découvrir, de changer. La recherche du temps perdu est finalement peut-être tellement construite, tellement complète, que je pense qu'on n'a jamais réellement terminé de la lire, et même aujourd'hui je regarde certains passages et je m'aperçois qu'il y a plein de choses que j'avais survolées, que je lis d'une façon différente aujourd'hui. Si j'entends certaines récitations de la recherche, je me rends compte également que ces passages ne m'avaient pas sauté aux yeux alors qu'ils sont stylistiquement extrêmement riches. Si j'entends certaines personnes amatrices de Proust parler de la recherche, je m'aperçois qu'on a des impressions différentes, et c'est cette multitude
latitude d'interprétation qui en fait également une œuvre exceptionnelle. De ce fait, bien évidemment que si vous n'aimez pas Proust, ce n'est pas une faute, vous avez le droit de ne pas vouloir lire Proust, vous avez le droit de ne jamais aimer Proust, de détester cet auteur, c'est une toute appréciation est de toute façon subjective et peut évoluer avec le temps, mais je pense justement que notre façon d'appréhender Proust peut beaucoup changer selon l'état d'esprit dans lequel on est à un certain moment. Et je trouve ça très touchant de voir à quel point les passionnés de Proust continuent de découvrir la recherche, d'analyser certains moments d'une façon différente. Et par ailleurs, les études proustiennes sont encore extrêmement actives aujourd'hui. Il y a une société des amis de Marcel Proust qui publie un bulletin régulièrement. On voit des chercheurs du monde entier, littéralement de tous les continents, qui se rejoignent pour partager leur analyse de Proust. Et cela montre la complexité, la magnitude de cette écriture et la façon dont elle peut être perçue de manière complètement différente. Donc je vous encourage vraiment d'essayer au moins de lire Proust, et même pas forcément de vous lancer comme ça dans la recherche, mais par exemple de lire Un amour de Swann qui se passe avant la naissance du narrateur, ou de tout simplement écouter une vidéo de la Comédie française pour voir si cela vous plaît, puisque je pense vraiment que la lecture d'À la recherche du temps perdu peut changer votre façon de voir la littérature, peut se révéler être une très belle et infinie aventure qui va peut-être résonner très profondément avec vous. Donc encore une fois, il n'y a aucune raison d'être particulièrement intimidé par cette lecture, certes exigeante mais tout de même accessible. Il n'y a absolument aucune pression ou contrainte de temps. Si vous voulez lire la recherche en 6 mois comme je l'ai fait, ce n'est pas du tout la seule manière acceptable et légitime de le faire. Vous pouvez prendre une année pour découvrir Proust, vous pouvez prendre plus de temps si vous le désirez. Mais je voulais faire cette vidéo parce que j'ai été très surprise combien j'ai accroché au fait à la lecture de Proust. Je ne m'y attendais vraiment pas, et même c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé après ma lecture. Mais sans exagérer, Proust, j'y pense quasiment tous les jours d'une manière ou d'une autre, et c'est pas forcément que je suis en train de faire quelque chose de complètement différent et j'ai une obsession pour Proust qui remonte, mais c'est que je vois à quel point la psychanalyse de cet auteur, la façon de parler de la mémoire, du lien entre l'enfance, l'adolescence et le mot adulte, on le retrouve dans plein d'œuvres différentes et on retrouve ça également dans de nombreux moments de nos vies. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec cette vidéo. Je sais que la façon dont je parle de Proust est probablement imparfaite, que j'ai peut-être fait des erreurs par moment, que mes conseils ne sont pas, sont forcément assez personnels et ne s'appliquent pas à tout le monde. Je ne peux pas vous promettre que vous allez absolument adorer la recherche comme je l'ai moi-même beaucoup aimé, mais je voulais vraiment revenir vers le but essentiel pour moi du BookTube et du Bookstagram, c'est de désacraliser un petit peu la littérature, les monuments de la littérature comme Marcel Proust, et de montrer à quel point la littérature peut être bénéfique de plein de façons différentes. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je reviens très bientôt avec plus de contenu littéraire. Si vous voulez me suivre sur Instagram pour entendre parler de littérature de manière quotidienne, tout est dans la barre d'infos. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye !